La salle d'audience était pleine. Sur le banc des accusés, l'agriculteur de 32 ans, père de deux jeunes enfants. Dégarni, lunettes sur le nez, il est totalement muet. Puis il se lève face à la présidente de la cour, les mains croisées. Il reconnaît les faits et les minimise. Il dit, je cite, « Je me suis senti harcelé, j'ai pété un plomb, on s'est empoigné, il s'est heurté la tête sur le mur, c'était sous l'effet de la colère, je regrette. »« Pourquoi vous êtes-vous senti harcelé ?» lui demande alors la présidente. L'accusé répond, « À cause des médias, de ce qui est paru dans la presse et de monsieur Malavaux, il me poursuit en voiture et me fait des appels de phare. » Pendant tout le temps du procès, la victime, elle, reste assise et impassible. Une seule question lui sera posée par l'avocate de l'accusé, maître Arnaud. « Monsieur Malavaux, pourquoi avez-vous enregistré l'altercation avec votre téléphone portable ?»« Je fais toujours cela lorsque la situation peut dégénérer. » répond le garde-pêche. Un réflexe qui a servi sa cause puisque l'agriculteur a été condamné à 36 mois de prison, dont 20 avec sursis et à 4 500 euros d'amende. L'agriculteur a été reconduit en détention.